Teotihuacan au Mexique, cité suspendue au milieu des volcans à 2300 mètres d'altitude. Cette cité aurait un peu plus de 2000 ans selon le consensus archéologique et historique. Elle n'aurait aucun rapport avec la civilisation européenne, d'Afrique ou ailleurs dans le monde. En est-on bien sûr ? Les historiens étudient les écrits concernant ce lieu magique. Les archéologues grattent la terre, creusent, restaurent. Mais n'y aurait-il pas une autre façon plus audacieuse d'étudier ces monuments ? Dans la mesure où on n'a pas d'écrit historique qui parle de Teotihuacan à l'époque de sa construction, dans la mesure où les fouilles archéologiques ne donnent pas forcément les réponses qu'on souhaite, on peut se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas étudier le site de Teotihuacan avec sa géométrie ? Puisque la géométrie et les mathématiques, c'est un langage universel qui peut traverser le temps, contrairement au langage parlé et à l'écriture. Cet immense complexe est constitué de trois grands monuments. La pyramide du Soleil, la pyramide de la Lune et le temple de Quetzalcoatl. Y gravitent autour de nombreuses pyramides de petite taille dont on ne sait pas grand-chose. La plus grande pyramide, celle du Soleil, nécessiterait plus de 150 000 camions pour acheminer les matériaux qui ont servi à sa construction. Et le plus étonnant est la présence de pierres de mica dont la provenance semble très lointaine. On raconte que les pierres de mica proviendraient du Brésil. Si c'est le cas, pour quelle raison avoir choisi ces pierres-là ? La construction d'une telle cité représente un travail titanesque dont nous sommes en peine d'imaginer. Comment cela fut possible avec des moyens simples ? La pyramide du Soleil. Cette immense pyramide est une des plus grandes de la planète. Elle mesure 220 mètres très exactement dans sa plus petite largeur. Sa hauteur est estimée à 70 mètres. En effet, il manque une partie du sommet. Et si on coiffait la pyramide d'une coiffe virtuelle, elle mesurerait alors 220 mètres de large par 70 mètres de haut. 220 par 70, cela évoque de toute évidence la fraction 22 par 7, qui est celle du nombre pi. 22 par 7 égale 3,142857. C'est une très bonne approximation du nombre pi. Mais le plus incroyable, ce n'est pas que ces bâtisseurs connaissaient aussi le nombre pi, mais que cette fraction, 220 par 70, fonctionne en mètres. En effet, si nous raisonnions en miles, en yards, en pieds, en coudées, nous ne verrions pas apparaître la fraction simple de 22 par 7, mais par exemple 240,59 yards par 76,55, ce qui est beaucoup moins pratique. Le rapport de proportion entre la hauteur et la largeur de la pyramide du Soleil, elle peut nous délivrer un nombre, qui est le nombre pi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces nombres qui constituent ce rapport, eux, ils peuvent nous délivrer l'unité de mesure. Et ici, l'unité de mesure, ça pourrait être le mètre. L'unité métrique n'est pas censée avoir existé en Amérique du Sud. En effet, cette unité nous est présentée comme une invention des scientifiques de la fin du XVIIIe siècle en France. Jean-Baptiste Delambre et Pierre-André Méchain avaient pour mission de mesurer le méridien de la Terre pour en tirer une fraction de 1 pour 40 millionième afin d'en définir le mètre. Ils tentèrent de mesurer une fraction de méridien entre Dunkerque et Barcelone pendant 7 années. Il leur fallait pour cela mesurer les distances et les angles entre différentes collines et monuments visibles de loin, tenir compte de la réfraction de la lumière dans l'air, de la dilatation de leurs outils de mesure, de la différence d'altitude entre les points de visée et croire en la fiabilité de leurs outils de mesure. Le livre de Canalder montre les difficultés qu'ont rencontrées ces scientifiques, à tel point qu'on se demande s'ils ont réellement réussi leur mission. À la fin de la lecture de ce livre, on a du mal à croire que l'opération ait été un succès. Il est aujourd'hui impossible de vérifier leur travail. Même s'il est consigné dans des milliers de pages bien archivées, rien ne permet de dire qu'ils ont réellement réussi leur mission. Et pourtant, le maître en est sorti. Et si nos scientifiques n'avaient tenté qu'une simple vérification de connaissances métriques plus anciennes ? Revenons un instant sur la géométrie de la pyramide du Soleil. Sa base n'est pas exactement carrée. En effet, elle mesure 220 mètres par 224,3 mètres. Or, cela permet d'en déduire une diagonale de 314,16 mètres.
c'est-à-dire exactement 100 fois le nombre pi, exprimé en mètres. Étrange coïncidence, vous ne trouvez pas ? Observons maintenant sa position par rapport à la pyramide de la Lune. Elle est décalée de 2 degrés par rapport à l'axe nord-sud de la pyramide de la Lune, mais c'est la distance qui nous intéresse, et elle est exactement de 800 mètres. Une distance de 800 mètres, tout rond, comme si les bâtisseurs utilisaient cette unité dans les positions des monuments. Encore plus amusant, la distance qui sépare la pyramide du Soleil du temple de Quetzalcoatl est exactement de 1200 mètres. Là encore, une distance en hectomètres juste. Mais au fait, ce temple de Quetzalcoatl, quelle est sa largeur ? 400 mètres, très exactement. Encore une unité métrique en hectomètres, cela commence à faire beaucoup de coïncidences métriques, vous ne trouvez pas ? Il semble que la base 4 ait aussi été retenue dans cette géométrie. Le complexe aurait-il été construit en utilisant des modules de 400 mètres ? Intéressons-nous maintenant à l'orientation de la ville de Teotihuacan. Le complexe de Teotihuacan présente une grande allée qu'on appelle l'allée des morts. Cette dernière est désaxée par rapport à l'axe nord-sud d'exactement 15,47 degrés. Toutefois, si on regarde l'axe nord-sud, on s'aperçoit qu'il passe par les coins nord-ouest de la pyramide de la Lune et de la pyramide du Soleil. Comme si les bâtisseurs avaient d'abord défini les contours des pyramides pour les faire coïncider avec les points cardinaux de manière subtile. Pourquoi ? Revenons maintenant sur l'orientation générale de 15,47 degrés du complexe de Teotihuacan. Si nous intégrons le complexe dans un rectangle qui englobe les trois monuments, nous pouvons alors mesurer une longueur de 2236 mètres, 2,236 km. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Ce nombre est très important. Il est la racine de 5. En effet, la racine de 5 est 2,236. Mais ce nombre est aussi l'addition du nombre d'or et de son inverse. 1,618 plus 0,618 égale 2,236. Donc le nombre d'or, c'est 1,618. Et ce nombre, en fait, il a une caractéristique mathématique qui est particulière. C'est-à-dire que si on en prend le carré, on va obtenir 2,618. Si on en prend l'inverse, on va obtenir 0,618. Donc le nombre d'or, en fait, si on prend l'inverse, c'est le nombre d'or moins 1. Et si on en prend le carré, c'est le nombre d'or plus 1. Et il est le seul nombre, en fait, à avoir cette caractéristique mathématique. Et alors, vous allez me dire, à quoi ça sert ce nombre d'or ? Alors ce nombre d'or, en fait, c'est une constante de l'univers, dans le sens où pratiquement tous les êtres vivants, sans qu'on s'en rende compte, on est comme préformaté par ce nombre-là. La croissance des coquillages, la croissance des végétaux, et également les proportions du corps humain pourraient répondre du nombre d'or. C'est également quelque chose qui est très utilisé d'un point de vue esthétique, dans l'art, que ce soit les artistes qui l'utilisaient déjà à la Renaissance, mais dans tout un tas de domaines, comme la publicité également. Est-il possible que les dimensions de ce complexe servent à encoder des constantes universelles en unités métriques ? Il semble que oui. Poussons l'analyse un peu plus loin. Une fois arrivé devant le temple de Quetzalcoatl, après un trajet de 2,236 km, si je me dirige vers l'est pendant 618 mètres, c'est-à-dire l'inverse du nombre d'or, et que finalement après ce trajet plein est en direction du soleil levant, je me décide à remonter plein nord, je vais alors boucler un étrange triangle rectangle dont chacun des côtés évoque le nombre d'or, tout en passant par les deux pyramides de la Lune et du Soleil. Le petit côté, qu'on appelle aussi côté opposé, mesure 618 mètres, l'inverse du nombre d'or. Quant à l'hypoténuse de mon triangle rectangle, elle mesure 1618 plus 618 mètres. Donc après, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-il possible que dans un monument qui a plus de 2000 ans, on y retrouve la constante phi du nombre d'or, l'unité métrique, le tout relié sur un triangle rectangle avec les axes cardinaux. Comment cela est-il possible par hasard ? Sur la grande place qui se trouve devant la pyramide de la Lune, au point de départ de l'allée des morts, se trouve au centre de la place un petit autel. Une petite pyramide qui aurait servi pour les sacrifices d'une époque plus récente.
Mais était-ce vraiment sa fonction originelle? En effet, la distance qui sépare cette petite pyramide au centre de la place jusqu'à la pyramide du Soleil est de 618 mètres. Oui, vous avez bien entendu, l'inverse du nombre d'or en mètres. La distance qui sépare cette petite pyramide du centre de la pyramide de la Lune est de 191 mètres. Or, si nous faisons le trajet aller-retour suivant, pyramide du Soleil, hôtel de la place et pyramide de la Lune, nous parcourons qui est égal à 1618 mètres. Encore une fois, le nombre d'or est exprimé ici en mètres. Mais ce n'est pas tout. Si la distance centre de la place jusqu'à la pyramide du Soleil est l'inverse du nombre d'or, il se peut aussi que 191 mètres soit l'inverse d'un autre nombre, d'une autre constante importante. Et en effet, l'inverse de 1,91 est 0,5236. Or, 0,5236 est une constante de l'univers. Pour vous donner un exemple, si vous plongez une sphère dans un cube de même diamètre que la sphère, cette dernière va occuper 52,36% du volume du cube. Mais ce n'est pas tout. 52,36, c'est en centimètres la taille de la coudée égyptienne qui a servi, entre autres, à bâtir les pyramides du plateau de Gizeh en Égypte. Y aurait-il un lien entre les pyramides d'Égypte et celles du Mexique? Ce n'est certainement pas le consensus actuel, mais un consensus n'est pas pour autant une vérité. Regardons de plus près les indices qui pourraient nous permettre de relier ces sites entre eux. Par exemple, la distance du centre de la place jusqu'au temple de Quetzalcoatl est de 1,7857 km, soit l'inverse de 0,56. Or, ce qui est amusant avec ce nombre 56, c'est qu'il est une clé qu'on retrouve dans d'autres constructions de par le monde. Didier Coilhac a constaté le fait suivant. En ramenant simplement la hauteur de la grande pyramide au point culminant de Chambord, à 56 mètres de manière homothétique, nous constatons que le château est exactement 2,618 fois moins élevé que l'édifice égyptien, soit d'un rapport phi au carré. Si l'on reconnaît l'intérêt porté par les bâtisseurs et artistes de la Renaissance au nombre phi, comme démontré par Didier dans ses travaux antérieurs, il est tentant d'écarter le hasard d'un tel résultat. Déplaçons maintenant la pyramide fictive dans l'enceinte de Chambord. Chacun de ses côtés s'emboîte parfaitement entre les murs de l'aire sud-ouest du château. La concordance est totale. Cela peut aussi expliquer la dissymétrie constatée, mais jamais expliquée, entre l'aire sud-ouest et l'aire nord-est du château, le donjon n'étant pas parfaitement au milieu de ces deux aires. Considérons maintenant les dimensions de Chambord en utilisant le mètre, pourtant censé être inconnu au XVIe siècle. La base du donjon de Chambord est de 44 mètres, tandis que la base de la pyramide précédente, réduite de phi au carré, donne une longueur de 88 mètres, soit exactement deux fois la base du donjon. Qu'ont-ils de si étonnant ces nombres 56 et 44? Par exemple, il est amusant de voir qu'associé au périmètre de la Terre, il nous délivre le nombre pi. 40 000 divisé par 56 multiplié par 44 égale 31 428, soit 10 000 fois le nombre pi. Cela peut nous sembler tiré par les cheveux, mais il n'empêche que l'unité métrique est tirée d'une valeur universelle qui est la taille de la Terre. Et nous avons opté pour 40 000 unités pour diviser la taille de la Terre. Pourquoi avons-nous choisi 40 000 et non 10 000 ou 100 000? N'y aurait-il pas une raison qui nous échappe encore? 56 et 44 sont deux nombres qui semblent être des clés. Peut-on aussi retrouver la clé 44 à Gizeh en Égypte et au Mexique sur le site de Teotihuacan? La réponse est oui. Par exemple, l'angle de 15,47 degrés que forme l'allée principale du complexe par rapport à l'axe nord-sud semble reposer sur un principe géométrique qu'on retrouve sur le plateau de Gizeh en Égypte. En effet, pour obtenir un angle de 15,47 degrés,
il nous faut dessiner 4 carrés côte à côte et en tracer la diagonale. Cet angle mesure alors 14,04 degrés. Puis, on va poser sur cette diagonale 40 petits carrés côte à côte encore une fois. Cette nouvelle diagonale aura un angle de 1,43 degrés. Or, 14,04 plus 1,43 égale 15,47 degrés. L'angle de 15,47 degrés peut donc être obtenu en traçant 44 carrés. Cette figure géométrique, qui emprunte des carrés en base 4, peut se lire de manière numérique, 44 ou 440. Donc sur le plateau de Gizeh en Égypte, les chaussées processionnaires en fait, de la pyramide de Khéops et de Khéphren, elles sont décalées de l'axe ouest de 14,04 degrés, ce qui correspond exactement à la diagonale de 4 carrés mis côte à côte. C'est ces 4 carrés qu'on a retrouvés également sur la cité de Teotihuacan au Mexique. Et ce qui est intéressant également de faire remarquer, c'est qu'à Gizeh, donc en Égypte, l'angle du soleil formé au solstice d'été et solstice d'hiver est de 56 degrés exactement. Tiens, au fait, quelle est la largeur de la pyramide de Khéops en coudée de 52,36 cm? Elle est de 440 coudées. Bien qu'elle soit éloignée, nous pouvons pousser le rapprochement entre ces pyramides du Mexique et d'Égypte beaucoup plus loin. Il est fort possible que le complexe de Teotihuacan n'ait pas pu être terminé. Il y a, entre les deux grandes pyramides du Soleil et de la Lune, un emplacement vacant qui semble avoir été préparé pour recevoir une troisième pyramide. C'est comme si cet espace avait été préparé avec un terrassement en attendant qu'on y construise la dernière pyramide. En effet, il y a partout des petits monuments le long de l'allée des morts, mais pas à cet endroit-là. Pourquoi ? Essayons d'y mettre une pyramide imaginaire. Superposons les trois pyramides de Gizeh en Égypte avec celle de Teotihuacan. Le résultat est surprenant, vous ne trouvez pas ? Y a-t-il un autre lien entre Teotihuacan et d'autres pyramides dans le monde ? Si on utilise une carte à plat de type Mercator, comme nos cartes actuelles, nous constatons avec étonnement que les trois plus grands sites du monde qui sont bâtis avec des pyramides monumentales sont parfaitement alignés. Teotihuacan, Gizeh et les pyramides de Chine, inconnues du grand public, sont alignés. Cette hypothèse a été émise par les auteurs du documentaire « La révélation des pyramides ». Leur travail mérite vraiment d'être approfondi, plutôt que de la jeter en pâture sans même le considérer. Dans le documentaire « La révélation des pyramides », Patrice Pouillard et Jacques Grimaud émettent une hypothèse audacieuse selon laquelle les bâtisseurs de la Grande Pyramide d'Égypte connaissaient aussi la vitesse de la lumière et l'exprimaient en mètres par seconde. Ils montrent pour cela la différence de circonférence entre le cercle qui entoure la pyramide et le cercle qui est inscrit dans la base de cette dernière. La différence de périmètre de ces deux cercles est de 299,796 130 mètres, ce qui est très proche de la valeur officielle déterminée à la fin des années 70. Mais nous pouvons ajouter que la latitude est comprise dans la Grande Pyramide, ce qui évoque de toute évidence la vitesse de la lumière telle que nous la connaissons. Un tel concours de circonstances est pour le moins troublant. Et que dire alors de la cité de Teotihuacan ? Évoque-t-elle d'une façon discrète la vitesse de la lumière ? Il semble que cela soit possible. En effet, l'écart de longitude entre les pyramides de Teotihuacan et celle de Gizeh évoque encore une fois la vitesse de la lumière en mètres par seconde. Cette hypothèse est très impertinente au regard de notre vision de l'histoire des civilisations anciennes. Se pourrait-il que nous nous soyons lourdement trompés ? Sommes-nous capables de reconnaître nos erreurs ? Faut-il se rendre à l'évidence, quoi qu'il en coûte de nos croyances et des consensus sur l'histoire de l'homme ? Napoléon ne disait-il pas, lorsqu'il se trouvait devant les pyramides d'Égypte, que l'histoire est un grand mensonge que personne ne conteste ? L'unité métrique est présente à Teotihuacan au Mexique, comme sur le complexe de Gizeh en Égypte. Et bien que les égyptologues nient cette réalité, le fait est avéré.
les bâtisseurs des grandes pyramides d'Égypte connaissaient le lettre. Nous pourrions remonter encore plus loin et le ferons dans un prochain documentaire. Il semble de plus en plus envisageable que nos connaissances dont nous sommes si fiers ne soient qu'une redécouverte de ce qui avait été compris dans un passé lointain. En Égypte. En effet, pour obtenir un angle de 15,47 degrés, il nous faut dessiner 4 carrés côte à côte et en tracer la diagonale. Cet angle mesure alors 14,04 degrés. Puis, on va poser sur cette diagonale 40 petits carrés côte à côte encore une fois. Cette nouvelle diagonale aura un angle de 1,43 degrés. Or, 14,04 plus 1,43 égale 15,47 degrés. L'angle de 15,47 degrés peut donc être obtenu en traçant 44 carrés. Cette figure géométrique, qui emprunte des carrés en base 4, peut se lire de manière numérique, 44 ou 440. Donc sur le plateau de Gizeh en Égypte, les chaussées processionnaires en fait, de la pyramide de Khéops et de Khéphren, elles sont décalées de l'axe ouest de 14,04 degrés, ce qui correspond exactement à la diagonale de 4 carrés mis côte à côte. C'est ces 4 carrés qu'on a retrouvés également sur la cité de Teotihuacan au Mexique. Et ce qui est intéressant également de faire remarquer, c'est qu'à Gizeh, donc en Égypte, l'angle du soleil formé au solstice d'été et solstice d'hiver est de 56 degrés exactement. Tiens, au fait, quelle est la largeur de la pyramide de Khéops en coudée de 52,36 cm. Elle est de 440 coudées. Bien qu'elle soit éloignée, nous pouvons pousser le rapprochement entre ces pyramides du Mexique et d'Égypte beaucoup plus loin. Il est fort possible que le complexe de Teotihuacan n'ait pas pu être terminé. Il y a, entre les deux grandes pyramides du Soleil et de la Lune, un emplacement vacant qui semble avoir été préparé pour recevoir une troisième pyramide. C'est comme si cet espace avait été préparé avec un terrassement en attendant qu'on y construise la dernière pyramide. En effet, il y a partout des petits monuments le long de l'allée des morts, mais pas à cet endroit-là. Pourquoi ? Essayons d'y mettre une pyramide imaginaire. Superposons les trois pyramides de Gizeh en Égypte avec celle de Teotihuacan. Le résultat est surprenant, vous ne trouvez pas ? Y a-t-il un autre lien entre Teotihuacan et d'autres pyramides dans le monde? Si on utilise une carte à plat de type Mercator, comme nos cartes actuelles, nous constatons avec étonnement que les trois plus grands sites du monde qui sont bâtis avec des pyramides monumentales sont parfaitement alignés. Teotihuacan, Gizeh et les pyramides de Chine, inconnues du grand public, sont alignés. Cette hypothèse a été émise par les auteurs du documentaire « La révélation des pyramides ». Leur travail mérite vraiment d'être approfondi, plutôt que de la jeter en pâture sans même le considérer. Dans le documentaire La révélation des pyramides, celle qui est la taille de la Terre. Et nous avons opté pour 40 000 unités pour diviser la taille de la Terre. Pourquoi avons-nous choisi 40 000 et non 10 000 ou 100 000? N'y aurait-il pas une raison qui nous échappe encore? 56 et 44 sont deux nombres qui semblent être des clés. Peut-on aussi retrouver la clé 44 à Gizeh en Égypte et au Mexique sur le site de Teotihuacan? La réponse est oui. Par exemple, l'angle de 15,47 degrés que forme l'allée principale du complexe par rapport à l'axe nord-sud semble reposer sur un principe géométrique qu'on retrouve sur le plateau de Gizeh en Égypte. En effet, pour obtenir un angle de 15,47 degrés,
il nous faut dessiner 4 carrés côte à côte et en tracer la diagonale. Cet angle mesure alors 14,04 degrés. Puis, on va poser sur cette diagonale 40 petits carrés côte à côte encore une fois. Cette nouvelle diagonale aura un angle de 1,43 degrés. Or, 14,04 plus 1,43 égale 15,47 degrés. L'angle de 15,47 degrés peut donc être obtenu en traçant 44 carrés. Cette figure géométrique, qui emprunte des carrés en base 4, peut se lire de manière numérique, 44 ou 440. Donc sur le plateau de Gizeh en Égypte, les chaussées processionnaires en fait, de la pyramide de Khéops et de Khéphren, elles sont décalées de l'axe est-ouest de 14 degrés 04, ce qui correspond exactement à la diagonale de 4 carrés mis côte à côte. C'est ces 4 carrés qu'on a retrouvés également sur la cité de Teotihuacan au Mexique. Et ce qui est intéressant également de faire remarquer, c'est qu'à Gizeh, donc en Égypte, l'angle du soleil formé au solstice d'été et solstice d'hiver est de 56 degrés exactement. Tiens, au fait, quelle est la largeur de la pyramide de Khéops en coudées de 52,36 cm? Elle est de 440 coudées. Bien qu'elle soit éloignée, nous pouvons pousser le rapprochement entre ces pyramides du Mexique et d'Égypte beaucoup plus loin. Il est fort possible que le complexe de Teotihuacan n'ait pas pu être terminé. Il y a, entre les deux grandes pyramides du Soleil et de la Lune, un emplacement vacant qui semble avoir été préparé pour recevoir une troisième pyramide. C'est comme si cet espace avait été préparé avec un terrassement en attendant qu'on y construise la dernière pyramide. En effet, il y a partout des petits monuments le long de l'allée des morts, mais pas à cet endroit-là. Pourquoi ? Essayons d'y mettre une pyramide imaginaire. Superposons les trois pyramides de Gizeh en Égypte avec celle de Teotihuacan. Le résultat est surprenant, vous ne trouvez pas ? Y a-t-il un autre plateau de Gizeh en Égypte ? Les chaussées processionnaires en fait, de la pyramide de Khéops et de Khéphren, elles sont décalées de l'axe est-ouest de 14 degrés 04, ce qui correspond exactement à la diagonale de 4 carrés mis côte à côte. C'est ces 4 carrés qu'on a retrouvés également sur la cité de Teotihuacan au Mexique. Et ce qui est intéressant également de faire remarquer, c'est qu'à Gizeh, donc en Égypte, l'angle du soleil formé au solstice d'été et solstice d'hiver est de 56 degrés exactement. Tiens, au fait, quelle est la largeur de la pyramide de Khéops en coudées de 52,36 cm? Elle est de 440 coudées. Bien qu'elle soit éloignée, nous pouvons pousser le rapprochement entre ces pyramides du Mexique et d'Égypte beaucoup plus loin. Il est fort possible que le complexe de Teotihuacan n'ait pas pu être terminé. Il y a, entre les deux grandes pyramides du Soleil et de la Lune, un emplacement vacant qui semble avoir été préparé pour recevoir une troisième pyramide. C'est comme si cet espace avait été préparé avec un terrassement en attendant qu'on y construise la dernière pyramide. En effet, il y a partout des petits monuments le long de l'allée des morts, mais pas à cet endroit-là. Pourquoi ? Essayons d'y mettre une pyramide imaginaire. Superposons les trois pyramides de Gizeh en Égypte avec celle de Teotihuacan. Le résultat est surprenant, vous ne trouvez pas ? Y a-t-il un autre lien entre Teotihuacan et d'autres pyramides dans le monde ? Si on utilise une carte à plat de type Mercator, comme nos cartes actuelles, nous constatons avec étonnement que les trois plus grands sites du monde qui sont bâtis avec des pyramides monumentales sont parfaitement alignés. Teotihuacan, Gizeh et les pyramides de Chine, inconnues du grand public, sont alignés. Cette hypothèse a été émise par les auteurs du documentaire « La révélation des pyramides ». Leur travail mérite vraiment d'être approfondi, plutôt que de la jeter en pâture sans même le considérer. Dans le documentaire « La révélation des pyramides », Patrice Pouillard et Jacques Grimaud émettent une hypothèse audacieuse selon laquelle les bâtisseurs de la Grande Pyramide d'Égypte connaissaient aussi la vitesse de la lumière et l'exprimaient en mètres par seconde. Ils montrent pour cela la différence de circonférence entre le cercle qui entoure la pyramide et le cercle qui est inscrit dans la base de cette dernière. La différence de périmètre de ces deux cercles est de 299,796 mètres, ce qui est très proche de la valeur officielle déterminée à la fin des années 70.
Mais nous pouvons ajouter que la latitude est comprise dans la Grande Pyramide, de la pyramide du Soleil. Sa base n'est pas exactement carrée. En effet, elle mesure 220 mètres par 224,3 mètres. Or, cela permet d'en déduire une diagonale de 314,16 mètres, c'est-à-dire exactement 100 fois le nombre pi, exprimé en mètres. Étrange coïncidence, vous ne trouvez pas ? Observons maintenant sa position par rapport à la pyramide de la Lune. Elle est décalée de 2 degrés par rapport à l'axe nord-sud de la pyramide de la Lune, mais c'est la distance qui nous intéresse, et elle est exactement de 800 mètres. Une distance de 800 mètres, tout rond, comme si les bâtisseurs utilisaient cette unité dans les positions des monuments. Encore plus amusant, la distance qui sépare la pyramide du Soleil du temple de Quetzalcoatl est exactement de 1200 mètres. Là encore, une distance en hectomètres juste. Mais au fait, ce temple de Quetzalcoatl, quelle est sa largeur ? 400 mètres, très exactement. Encore une unité métrique en hectomètres, cela commence à faire beaucoup de coïncidences métriques, vous ne trouvez pas ? Il semble que la base 4 ait aussi été retenue dans cette géométrie. Le complexe aurait-il été construit en utilisant des modules de 400 mètres ? Intéressons-nous maintenant à l'orientation de la ville de Teotihuacan. Le complexe de Teotihuacan présente une grande allée qu'on appelle l'allée des morts. Cette dernière est désaxée par rapport à l'axe nord-sud d'exactement 15,47 degrés. Toutefois, si on regarde l'axe nord-sud, on s'aperçoit qu'il passe par les coins nord-ouest de la pyramide de la Lune et de la pyramide du Soleil. Comme si les bâtisseurs avaient d'abord défini les contours des pyramides pour les faire coïncider avec les points cardinaux de manière subtile. Pourquoi ? Revenons maintenant sur l'orientation générale de 15,47 degrés du complexe de Teotihuacan. Si nous intégrons le complexe dans un rectangle qui englobe les trois monuments, nous pouvons alors mesurer une longueur de 2236 mètres, 2,236 km. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Ce nombre est très important. Il est la racine de 5. En effet, la racine de 5 est 2,236. Mais ce nombre est aussi l'addition du nombre d'or et de son inverse. 1,618 plus 0,618 égale 2,236. Donc le nombre d'or, c'est 1,618. Et ce nombre, en fait, il a une caractéristique mathématique qui est particulière. C'est-à-dire que si on en prend le carré, on va obtenir 2,618. Si on en prend l'inverse, on va obtenir 0,618. Donc 1,59 yards par 76,55, ce qui est beaucoup moins pratique. Le rapport de proportion entre la hauteur et la largeur de la pyramide du Soleil, elle peut nous délivrer un nombre, qui est le nombre pi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces nombres qui constituent ce rapport, eux, ils peuvent nous délivrer l'unité de mesure. Et ici, l'unité de mesure, ça pourrait être le mètre. L'unité métrique n'est pas censée avoir existé en Amérique du Sud. En effet, cette unité nous est présentée comme une invention des scientifiques de la fin du XVIIIe siècle en France. Jean-Baptiste Delambre et Pierre-André Méchain avaient pour mission de mesurer le méridien de la Terre pour en tirer une fraction de 1 pour 40 millionième afin d'en définir le mètre. Ils tentèrent de mesurer une fraction de méridien entre Dunkerque et Barcelone pendant 7 années. Il leur fallait pour cela mesurer les distances et les angles entre différentes collines et monuments visibles de loin, tenir compte de la réfraction de la lumière dans l'air, de la dilatation de leurs outils de mesure, de la différence d'altitude entre les points de visée et croire en la fiabilité de leurs outils de mesure. Le livre de Canalder montre les difficultés qu'ont rencontrées ces scientifiques, à tel point qu'on se demande s'ils ont réellement réussi leur mission. À la fin de la lecture de ce livre, on a du mal à croire que l'opération ait été un succès. Il est aujourd'hui impossible de vérifier leur travail. Même s'il est consigné dans des milliers de pages bien archivées, rien ne permet de dire qu'ils ont réellement réussi leur mission. Et pourtant, le maître en est sorti. Et si nos scientifiques n'avaient tenté qu'une simple vérification de connaissances métriques plus anciennes ? Revenons un instant sur la géométrie de la pyramide du Soleil. Sa base n'est pas exactement carrée. En effet,
Elle mesure 220 mètres par 224,3 mètres. Or, cela permet d'en déduire une diagonale de 314,16 mètres, c'est-à-dire exactement 100 fois le nombre pi, exprimé en mètres. Étrange coïncidence, vous ne trouvez pas ? Observons maintenant sa position par rapport à la pyramide de la Lune. Elle est décalée de 2 degrés par rapport à l'axe nord-sud de la pyramide de la Lune, mais c'est la distance qui nous intéresse, et elle est exactement de 800 mètres. Une distance de 800 mètres, tout rond, comme si les bâtisseurs utilisaient cette unité dans les positions des monuments. Encore plus amusant, la distance qui sépare la pyramide du Soleil du temple de Quetzalcoatl est exactement de 1200 mètres. Là encore, une distance en hectomètres juste. Mais au fait, ce temple de Quetzalcoatl, quelle est sa largeur ? 400 mètres, très exactement. Encore une unité métrique en hectomètres, cela commence à faire beaucoup de coïncidences métriques, vous ne trouvez pas ? Il semble que la base 4 ait aussi été retenue dans cette géométrie. Le complexe aurait-il été